Il fait moi un très grand plaisir pour encore une fois accueillir vous pour nous parler de nouveaux sports. Bienvenue pour suivre. Nous voyons volleyball pour commencer. L'équipe femme cascadienne en grand sens pour défendre nos titres champions la Coupe Plaine Marine, là qui sont dans la finale sa compétition. Dans semi-finale samedi, Cascade a fait tomber l'équipe pralinois Island Waves, le score 3-7 à l'UN. Match semi-finale pour la Coupe Land Marine pour Bonne Madame Première Division. Cascade, champion League, sa saison, qui fait face à l'équipe basée Pralin Island Waves. Un premier set contre sa équipe Island Waves qui bien commencé. Zote si même prend une petite avance, 5 l'UN le Cascade. Mais tout de même, Zote pas rester consistant parce que de suite, Zote laisse Cascade réavancer et coster pour faire sa match. Un an qui reste toujours serré le point de temps en temps. Le temps que le service massé, il dérange un peu dans la réception Island Waves et de l'autre côté, Cascade à travers Petra Richard, il fait l'attaque massé et je prends l'avance jusqu'à 26. Sa l'équipe Cascade, il aussi fait la force lunette et je fais le bloc massé. Là, je t'emmène le score jusqu'à 25 pour je prends sa premier set 25-19. Pareil dans le premier set, l'équipe Island Waves a bien commencé. Je trouve l'écart 6-2 pour les autres opponents. Là, à travers Zote Malgas dans le numéro 9, Zote type service bien et son bon coéquipier de Volonette type fait Zote bout le bloc, Zote type la guerre tout boule dans tout côté côte et sa deuxième set tient l'équipe Island Waves différent avec sa set auparavant. Le temps score il est 16-10, Cascade qui essaye doucement doucement freine l'écart, mais tout de même tient l'équipe Island Waves qui tient conscient qu'ils ont déjà perdu un set, alors cela, sa l'équipe y continuellement force les autres qualités sur le Cascade et les autres réussi pour un deuxième set le score 25-17. Sa de l'équipe qui à présent l'égalité le set score, qui pour un troisième set assez intéressant parce que l'équipe Island Waves tient l'espoir qu'ils ont pu donner beaucoup de résistance Cascade. Mais parti des cas, parce que bien bonheur, Cascade y prend un avance 8-3. Sa l'équipe Island Waves tient un petit peu désorganisé. Zote laisse Cascade corrige tout faute deuxième set. Zote type simplement fait un match facile là de sa troisième set. Et parti de rôle qui c'était sa l'équipe Cascade qui prend sa troisième set 25-13. Si Cascade a envie de faire finir sa rencontre, Zote type besoin faire li là de sa quatrième set. Mais de l'autre côté, si l'équipe Island Waves a envie de quitter Zote sans qualifier finale la Coupe Land Marine, Zote pour besoin travail dit de sa quatrième set. Tout de même, c'était Cascade qui fait l'essentiel à travers service efficace Terry Songo. Cascade y prend l'avance 5-1. Cascade et Kitan sont consistants, toujours servis aux autres plus grands joueurs, Petra et Katrina, l'eau l'attaque, aussi bien que dans le bloc, que tu peux faire jouer Island Waves désorganisé. Zote tu peux continuellement donner Cascade, boule facile, et à son retour, Cascade y servit pour faire point. Tu as encore un set contre tu n'as pas grand résistance sorti contre sa l'équipe Island Waves, qui laisse Cascade prendre sa quatrième set. Cascade y alors sa qualifié finale et pareil l'année passée, il peut encore une affaire Cascade contre Assou. Après qui Assou, qui aussi remporte son match semi-finale contre Saint-Michel Sisters. Et là, sa l'équipe Cascade qui pour la guerre pour défendre son titre gagné saison passée. Tandis que Assou, possiblement envie de gagner un titre sa saison après finir deuxième de ligue. Tout pour décider de finale la Coupe Land Marine le 16 novembre. Ouais, aujourd'hui la performance est vraiment bas. Je suis vraiment désappointé, je ne suis pas satisfait. Mais c'est ma licencié qui a fait. Nous arrivons à la finale, mais c'est moi. J'ai besoin de conscience, j'ai envie de gagner la finale. J'ai besoin de pas bien qui ça que je tiens aujourd'hui. Finale, nous parlons de venir pareil, tout game. Nous venons, nous sommes mettre l'équipe ensemble, nous sommes mettre une stratégie pour nous gagner quand on gagne sa finale. Et moi, nous pas train du tout. Nous pas gagné sens pour nous mettre ensemble. Et la façon qu'il y a nous train, nous jouons pareil, qu'il y a nous jouons aujourd'hui. So, la cascade, il y a un visuel, il y a un peu de sang vivant. So, nous avons apporté. Well, SV, il y a un peu de besoin pour plus de Vicky, nous qui sommes plus l'année passée. So, nous avons besoin de travailler là, pour ça trois semaines, pour pas nous, que nous avons défendu nos titres l'année passée. Et le côté Banzom, pour un deuxième année consécutive, Premium Spikers, il est en finale.
Dans semi-finale, toujours samedi, Spikers y fait tomber Tonio 3-7 le 0. C'est un match assez facile pour sa équipe qui s'y manque envie à le faire plus bien qu'ils ont finale l'année passée, qu'ils ont perdu contre Swim Blue Pals. Nous joignons Lydie Morel avec sa l'autre reportage. Le côté bon hommes, l'équipe Premium Spikers a pouvoir zot face à l'équipe Tonio dans un match semi-finale. C'est évident que l'équipe Premium Spikers tient un peu plus favori dans sa rencontre si tous les Tonio y présentent seulement 6 joueurs de l'autre côté. Spikers a de suite montré une supériorité de sa première set, d'autres services qui peut faire un peu de l'autre côté court, Tonio participe montrer grande résistance. Et de son côté, Spikers, à travers les parties Kenneth Sinon et les autres, type prend un game assez facile et quitte grand l'écart au point. Un premier set dominé entièrement par Premium Spikers qui finit 25-14. Deuxième set encore n'a pas grand changement. L'équipe Premium Spikers y restait toujours favori. Choco et l'équipe Tonio qui type fait un bon petit peu faute individuel qui fait qu'ils ont type run match Spikers assez facile. Zot encore quitte l'écart point contre zot opponent et à chaque fois qu'il set Jones y voit un petit opportunité, il tu aussi fait bon jeu facile qui type bien massé. Et toujours devant de l'attaque Kenneth Sinon et Danny Marie de rapide, tu aussi peut ajouter zot bout pour ouvrir l'écart au score. Spikers y pense à deuxième set 25-16. Sa troisième set tient presque dit à si une victoire pour sa équipe Premium Spikers. Le temps bon joué Tonio y montrait un peu si la fatigue. L'autre côté, Premium Spikers y continue le même élan avec sa 17 auparavant. Avec la rentrée Ricky Vell, là de sa troisième set tient aussi à forcer quelque chose de l'attaque aussi bien qu'il dans service. Premium Spikers y remporte son match semi-finale facilement le Tonio 3-7-0. Premium Spikers pour jouer le New Boys de finale la Coupe Land Marine. L'année passée, sa l'équipe Premium Spikers tira sa la Coupe le temps qu'ils ont perdu de finale contre Swim Blue. Simon, sa l'équipe pour Pévin pour faire plus bien qu'il en est passé. En général, on prend toi la route, pas nous. À cause aussi, nous avons un jury, un team qui nous peut lead dans certains joueurs. So, pour le next game, à cause là, définitivement, on arrive de finale entre ça qui peut jouer entre New Boys avec la Jig. So, en général, il n'y a pas de mal. L'idée, c'est de se qualifier pour nous arriver à la finale. Well, finale pour totalement différent. Différent, nous pouvons avoir un autre différent. So, là, le monde comprend et on connaît les games niveau monté, Zoé aussi, il monté. On est à cause de l'année, nous prenons que j'avais tant pour pas dire baisse au niveau, mais c'est pas de haggis, il n'a pas ça momentum. Mais once, nous connaît final, tout le monde pour nous parler, nous pouvons look forward pour ça. Yes. Et bonne finale, ça tournoi à la Coupe Land Marine pour jouer samedi le 16 novembre. Mais entre-temps, il y a une compétition à la Coupe Fédération qui l'y commence demain. Devant le premier match, il y a Air Waves qui pousse contre Asu Boys et Breakaway pour rencontrer Saint-Louis Bombers. Les deux matchs poussent à partir 5h30 par les Sports. Nous allons la main à présent, bateau Ocean Pearl et champion compétition la PS La Ligue Offshore Fishing Tournament qui se déroule pendant le week-end. Dans deuxième position, c'est l'équipe 9G et champion l'année passée, Island Star, qui est seulement capable de prendre troisième place. En tout, il y a 11 bateaux qui ont participé et 2,4 tonnes de poissons qui gagnent la pêche. Compétition la pêche baptisée la Digue Offshore Fishing Tournament, organisée par Seychelles Sports Fishing Club, qui termine samedi. Il fait 16e l'année qui s'organise sa compétition. En tout, 11 bateaux qui prennent part et bonne compétiteur qui a la pêche vendredi et qui est entré dans la sauce la passe samedi, pas plus tard que 3h. Vers 2h15, bonne premier bateau qui commence à entrer. Et là, tu as une grande foule qui est là pour accueillir bonne bateau. Tout caméra, téléphone et les autres équipements électroniques qui sont dehors pour gagner un meilleur portrait, bonne poisson et aussi l'ambiance de la sauce. Ça qui est là, tu gagnes sens, observe que le poisson tu gagnes des sasés. Et au fur et à mesure que le bateau tu costé, le poisson tu gagnes pesé et vend avec le businessman de la digue même. Le poisson tu vas ailler, ton, bourgeois,
une variété vieille. Et l'équipe Naïdji est impressionnant avec sa Etelis qui pèse 13.67 kilos. Il dit qu'il qualité les temps pendant notre faveur et ce pas quoi d'autre pour faire bien Paris l'année passée. Jerry, nous sommes salonnés, on ne peut pas dire, on ne peut pas connaître, mais nous bien fait, mais c'est moi, I don't think we're going to win. Et moi je dis ça à cause du courant de battre nous un bon pays. Je connais de battre tous les autres bateaux aussi à cause. Hier, qui nous fait trolling et nous dit quoi, d'un soir, nous pour la piste d'un fond, et aujourd'hui, pour la piste d'un fond, mais courant, bat nous en quantité, et les temps de sensé, comme il y a au noir, et comme si la piste d'un fond, very, very bad, ça l'en est, et on l'a coulé, monté à la flotte, où qu'on est, pas qu'à la piste d'un fond, so, c'est ça, comme si mon pateau content, nous tous, nos teams, nous pas trop content, nous quoi, nous pas pour gagner. Cérémonie présentation prix, qui déroule hier, côté l'hôtel La Diga Island Lodge, de présence plusieurs invités et bonnes sponsors. Pronostic fait par Marwao, sorti de l'équipe Island Star, qui s'est champion l'année passée, qui fait, qui courait, à cause de qui seulement capable de prendre troisième place. In third place, with 36 points, last year's winner, Island Star. Tandis que l'équipe 9G est sorti deuxième. Congratulations, 9G. Ladies and gentlemen, you run up for the Lady Offshore. Et ces bateaux Ocean Pearl qui grand vainqueur sa compétition pour ça l'année. Ocean Pearl, big round of applause, guys. Anyway, c'est bon, mais pareil, moi, nous, tout nous, l'État participe de la nous faveur. Anyway, l'homme est un peu mauvais et courant un peu fort. Il participe en favorable pour la paix. Mais seulement nous, c'est nous, mieux par nous. Yes. Mais quoi qu'il fasse, autres peut-être capable de mettre la force ensemble pour remporter ça. Anyway, pareil pour nous, notre team Ocean Pearl, il y a un team qui est tout pour la paix ensemble. Et tout pour nous, là, les nous arrivent pour nous la paix. Premier quelque chose, c'est la paix. Nous tenons compte de l'eau salée. Alors, nous, c'est à la fin, à la mise nous, de l'eau salée. Ok, la paix. Et nous mettons en esprit, nous, dans une compétition. Et pour nous, gagner, pas gagner, il paraît, nous allons dans la mise. Alors, mon quoi, dans le team, nous mettons un tas d'efforts, un tas de travail, qui voit le résultat, et nous, speaks for itself. Football, bon match, Ligue, il reprend demain. D'abord, dans Ligue 2e division, 5h30, Stade Unité, l'île Maldives pour jouer contre San Francis. Et après 7h30, Montfleury pour face contre Ensoyal. Tandis que dans Ligue 3e division, 6h, le Stade Populaire, Bel Air pour jouer contre Mobixton Vétéran. Mais entre-temps, dans compétition pour bonne équipe en bas 20 ans, c'est au Cap qui pour jouer contre Bosco dans la finale. Au Cap, tu fais victoire au penalty dans son match semi-finale contre Saint-Louis. Quant à Bosco, il fait victoire D1 contre Marine Maintenance. Finale pour jouer ce samedi, juste avant match Red Star Defense Forces contre La Passe. En tournée, l'équipe ne peut pas parler de sa tournoi. En bas 20 ans, Foresters, Marine Maintenance, Saint-Louis, Montfleury, Saint-Michel, tu tombes de poule B. Banan l'équipe poule A, ti Bosco, English River, Maldives et Okap. Banan l'équipe tient à poser un fois contre camarade, Vedila,
tout l'équipe qui besoin une fois à aucun moment. Le pool A, Bosco tient fait une victoire 4-1 contre English River, perdit 2-1 contre Ocap, ensuite draw 0-0 contre Maldives. Déjà là, il est encore assez bien placé pour une place dans la semi-finale. Les temps où il était son bon adversaire de sa groupe. Par contre, au cap, des victoires de loin contre Bosco et 2-0 contre English River, il a perdu 1-0 contre Maldives. Dans l'autre poule A, Saint-Louis fait 4 victoires et défaite 1-0 contre Montfleury et même score contre Marine Maintenance. Pareil pour Foresters et plus gros score, sa tournoi est 10-0 le Saint-Michel, c'est la défaite qui 1-0 contre Foresters. Quant à Marine Maintenance, il aussi connaît maximum victoire. 3-0 le Foresters, 1-0 contre Saint-Louis, son plus gros score 9-0 contre Saint-Michel. Qui fait semi-finale tient à faire Marine Maintenance contre Bosco en blanc. Pareil, tout bon les autres matchs, 9 contre 9 et 15 minutes chaque côté. Bonne soirée l'entraîneur Vivian Bott, participé les Senayens et Sapsot, qui montrait qu'il vraiment les autres tient envie d'arriver plus loin. Tous les semi-finales qui peuvent jouer en même temps, l'eau la plaine à côté de Saint-Louis contre Ocap. Match Bosco Maintenance qui termine de loin, qui fait déjà Bosco qui assis son place de finale. Les temps qui au cap dans l'uniforme gros blé, match encore capable de score aucun goal contre Saint-Louis. Et oui, après 30 minutes, tu n'as pas aucun goal. Tout besoin décide le penalty. Penalty tu n'es plus à faire la sens, mais fait si qui keeper est capable. Tu es capable de voir sa tension parce que tous les deux équipes ont envie de gagner. Tu le score 4 le 3 qui au cap est passé. Pour autres à la finale, pour tous autres pour joindre l'équipe Bosco. Donc là, j'ai des difficultés. Ce moment, il nous a gâté. Ma maman a bien joué. Après, nous a bien tapé la tête. Après, je suis content pour mon team. Nous pouvons continuer à jouer pour moi. En poule, il est bien difficile ce moment. Après, tout le monde, 10 jours. À cause de nous connaître, nos teams, ils sont bons. Final, quelquefois, on a besoin de DJ Fouemé. Là, nous parlons pour nous travailler même, train, plus train, mettre l'équipe ensemble, venir nous pour la finale, pour nous pour la compétition aujourd'hui. Tout le pas de mauvais. Nous avons des défaillances, le team, et moi, par mon jour, dans le tour de session training, tout le pour nous la finale. Et presque dit tous les ans, un tournoi pour Mansen en bas 20 ans, il gagne organisé. Et justement, ça tombe bien, vu qu'il y en a une sélection sans couplage qui peut gagner fait. Ça y est avec Bi, qui sa Mansen y a le prend pas dans la compétition Koussafa, qui pour faire la Zambie. Jim lui, qui est responsable de sa tournoi dans la fédération, il dit qu'il croit qu'il plus il devrait gagner fait pour sa couplage. Non, au niveau de la journée, bien déroulé à cause de l'expectation. Nous avons été dans 12 sims. Dans 12 sims, nous gagnons 9, qui quand même très bien, qui pour la première fois, qui nous fait 20 ans, il fait peut-être un an, qui nous pas besoin de dire tout le monde 20 ans. On croit quelque chose comme ça, qui devrait arriver plus souvent. Jusqu'à comme là même, il y a une sélection à 20 ans, qui est supposée prendre part bientôt en décembre. Seulement, là, nous avons beaucoup d'éléments qui nous découvrent nouveaux joueurs aussi, nous pas connaît côté sorti, nous avons souvent ça qui nous connaît, ça qui nous pas connaît, ou on dit ben il est capable de jouer seulement nous autres là. Mais plus qu'initiative, mon quoi nous commencer. À présent, mon quoi il fait plus facile. Nous si fin nous gagne team, à présent this road of fixtures, fait une compétition ici. Il n'a pas rien de difficile. Il nous poser sa finale semaine prochaine. This avant qu'il la passe Red Star pour jouer sa finale pour gagner jouer avant. Après tous les samedis avant qu'il première division jouer, moi pour faire un knockout. Qui s'abat en knockout pour gagner déroulé, zis avant, bon match senior, première division. Bonne équipe pour ça même, s'abat, c'est moi, nous pouvons jouer à 11. Aujourd'hui, tu as un tournament à 9 aside, Savoyaz, pendant un knockout, nous pouvons jouer 11 aside. Il y en a beaucoup, hein, moi, qui, comme fédération, je devais être guetté, je devais avoir un bon aujourd'hui, je suis un scout à cause, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de talent dans mon nouveau team. Donc, moi, j'ai une compétition comme ça qui peut aider nous pour faire un team, pour faire un national team, pour nous aller plus devant. Mais voilà, nous les temps, ça termine là pour aujourd'hui. Merci pour suivre.